C'était mignon comme tout ton petit poème. Ça faisait très poème romantique du 19e siècle. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, tu rentres dans une banque avec les deux bras derrière ton dos. Le vigile pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un bouquet de fleurs. Ouais, c'est ça, surtout quand c'est un rebeu. Bon, si c'est pour parler à un mur pendant toute ma pause déjeuner, autant que je retourne me faire insulter par les clients, au moins là-bas je suis payé pour. Ça va, je suis désolé. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Oh, merde, c'est mon responsable. Celui qui a un furoncle sur le front en forme d'étable. Yes, I'm sorry, Mr. Botwin, it won't happen again. He's my little brother, you know, he's been adopted, he's not very normal. And he was trying to be nice with me. Okay, I'll call you later. Okay, bye. Thank you. Bye. Good afternoon. Alors comme ça, toi, t'as le droit de me taxer de la nourriture, mais pas moi. Bah ouais. Attends, c'est parce que t'es un gars, c'est ça? Bah ouais, je suis un mec, je comprends pas. J'hallucine. En plus, c'est moi qui les épais, les sushis, alors. Qu'est-ce que t'es con. On est au 21e siècle, d'accord? L'égocentrisme masculin, c'est fini. Il va falloir que tu te le rendes dans ton petit crâne de machiste. Je comprends pas, là. Mais c'est à cause de gens comme toi qu'on reste dans ce carcan, dans ce statut de subordination insupportable. Tu veux mes sushis? Bah ouais. Tu veux mes sushis? Bah vas-y, bouffe-les mes sushis, bouffe-les! Fais comme si j'existais pas et traite-moi comme de la merde! Connard.